Je suis privé de mon salaire. J'ai été victime d'un règlement de compte de la part de mes supérieurs hiérarchiques, donc des entités administratives du ministère de la Culture et des Arts, notamment Madame le SG, adjoint 1 de la culture, chargé de la culture, qui a instrumentalisé la directrice de la coopération culturelle pour refuser de signer mon attestation spéciale de présence au poste. À l'orée de cette nouvelle année, je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année, parce que Dieu a permis que nous ayons vu le jour en 2019. Donc nous avons pensé qu'il fallait faire venir l'ensemble des postiers pour essayer de revisiter tous les points qui ont été inscrits dans les procès-verbaux des 6 février et des 21, 22 et 23 novembre 2018. Mais jusqu'à présent, la direction générale n'a pas cru bon d'exécuter les points qui sont inscrits à l'intérieur. Donc toutes ces questions-là, le PDG de la Poste n'en a que cul, et nous pensons que le ras-le-bol est déjà arrivé parce que simplement il signe des documents dans le cadre de la négociation devant les plus hautes autorités de la République, mais lorsqu'il s'agit de les mettre en musique, cela ne se fait pas. Chers travailleurs, mesdames et messieurs, chers concitoyens, pour terminer, l'USAP rappelle que la recherche de la paix ne doit pas être un slogan, mais bien un comportement, un état d'esprit qui doit habiter politiques, dirigeants d'entreprise, travailleurs, pour le bien de la communauté dont les membres expriment les attentes légitimes. C'est pourquoi j'invite l'ensemble de nos membres à se mobiliser pour des actions futures à mener. Si la Cour constitutionnelle doit toucher Marie-Madeleine Bonanzo, doit toucher à notre constitution, à tout bon vent, à tout moment, sans que le peuple s'en émeuve, ça veut dire que c'est grave. Aujourd'hui, nous disons, nous les syndicats, nous sommes des citoyens, nous avons le droit, comme tout citoyen, de dire qu'on n'a pas le droit de toucher à notre constitution si nous ne sommes pas d'accord.